Salutations, ladies and gentlemen. On se retrouve pour cette leçon de l'Académie, la numéro 8, je crois, si je ne m'abuse. Et oui, déjà 8 leçons, plus que 2 avant de terminer la fin de la première année et l'examen final. Aurez-vous votre diplôme de première année? Eh bien voilà, dans les leçons à venir, par contre, on va arrêter de fuir le danger parce que ben voilà, on arrive dans le sérieux, le vif du sujet, parce que jusqu'ici, on a réussi à ne pas mourir. Et on va essayer de faire en sorte que ça continue. Et pour ça, eh ben voilà, c'est un petit défi hein, pour soi-même hein, de ne pas mourir, faut être honnête. Puisque mourir dans Minecraft n'a pas d'incidence majeure à part de vous ramener à votre lit. Vous pouvez continuer à jouer, c'est pas la fin du jeu, à part en mode hardcore où c'est la fin du jeu. Donc c'est un petit défi avec soi-même de se dire, bah, tiens, non, je vais jouer mais sans mourir. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop mort dans ces leçons. Qui sont quand même le début du début. Sinon, bah, comme certains, vous pouvez, pourquoi pas, recommencer à zéro sans mourir. Non, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, c'est pour la blagounette. Bref, pour continuer sur la bonne route sans mourir, ben, il faut s'équiper. Et comme pour bien s'équiper, ben, il faut mettre des enchantements sur son armure, des enchantements sur son équipement. Eh bien, se stuffer, s'équiper correctement, va demander plus d'XP. Or, ben, en minant, vous avez vu, c'est un peu laborieux. Attendre la nuit pour aller taper du mob, c'est un petit peu laborieux. Donc, l'objet de la leçon d'aujourd'hui, eh bien, ça va être de trouver comment gagner plus facilement de l'XP pour mieux enchanter son stuff, tout simplement. Et donc, pour cela, eh bien, les objectifs du jour vont être... Objectif numéro 1, nous allons essayer d'explorer un petit peu les sous-sols de Minecraft et de trouver un spawner. Voilà, on revient sur ce que c'est, un donjon d'abord d'ailleurs, au sein duquel vous trouverez un spawner. L'objectif numéro 2 sera de sécuriser ce spawner. L'objectif numéro 3 sera d'optimiser ce spawner. Voilà, on en reparle. Enfin, on verra en objectif numéro 4 comment on pourrait gagner de l'XP sans justement trouver un donjon et des mobs ou des villageois. Voilà. Et enfin, l'objectif numéro 6 qui validera un petit peu la leçon, numéro 5 pardon, qui validera un petit peu la leçon, eh bien ça va être d'avoir votre armure full enchante et si possible avec les meilleures enchantes possibles. On verra ça donc en fin de leçon. Eh bien let's go, on est parti pour cette leçon autour de l'expérience. Et nous revoici dans notre village sécurisé. Eh bien la sécurité c'est bien, mais si on s'est préoccupé de celle des autres, des villageois en l'occurrence, il va être temps de s'occuper de la nôtre. Or si on regarde, eh bien j'ai une armure mais pas enchantée. Je suis pas super bien protégé. Alors par contre j'en ai profité hors caméra pour rajouter des raccommodages sur mes outils et j'ai trade énormément avec les villageois. J'ai monté les villageois donc qui vendent des outils et des armes. Je sais pas où ils sont cachés. Voilà, il y en a peut-être un là. Je les ai montés pour qu'ils me vendent des pioches, etc. Donc lui par exemple, voilà, il me vend une épée reculin pour 12. Mais j'arrive au bout de mes émeraudes, j'ai plus beau grand chose et j'ai plus beaucoup d'expérience non plus. Donc c'est une des meilleures façons selon moi de gagner de l'expérience justement, c'est de commercer avec les villageois. J'étais monté à plus de 31 d'expérience, mais en mettant raccommodage, en fusionnant mes outils pour avoir des outils au top, vous voyez que j'ai efficacité 5, solidité 3 sur une pioche là. Là j'ai mis raccommodage, ça m'a coûté aussi, là aussi. D'ailleurs j'ai chopé avec l'un des villageois efficacité, solidité et toucher de soi. Alors il donne efficacité 2, mais en fusionnant les haches, j'ai réussi à monter à efficacité 4, donc je me suis fait une très bonne hache. On en reparle dans des mini tutos ou des leçons prochaines. C'est pas le sujet pour l'instant, c'est juste pour évoquer que selon moi la meilleure façon de gagner de l'expérience dans Minecraft, eh bien c'est les villageois, mais il y en a d'autres et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va d'abord explorer le sous-sol parce qu'on va aller chercher ce qu'on appelle un donjon. Un donjon c'est une espèce de structure, vous allez la détecter parce que vous allez trouver de la pierre avec de la pierre moussue, donc avec des petits liserés verts comme de la mousse sur la pierre. Et quand vous verrez ça, c'est que vous avez trouvé un donjon, et souvent vous allez les trouver, d'ailleurs exclusivement je crois, dans les sous-sols de Minecraft, sinon c'est une exception qui confirme la règle. Donc que va-t-on faire? Eh bien on va aller dans les sous-sols. J'aurais pu aller dans les sous-sols à la base initiale, je me suis dit que c'était plus sympa d'explorer en épisode un nouveau sous-sol, à savoir celui sous le village. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se creuser une petite mine, enfin on va descendre dans les profondeurs, et puis on va en profiter pour trouver des cavernes, explorer comme ça, un petit peu à l'arrache, pour essayer de trouver donc un donjon. Comme ça risque d'être relativement long parce qu'on compte sur la chance, et eh bien du coup on va faire un petit time-lapse. Je vais pas vous embêter avec tout ça, enfin le début je vais quand même faire avec vous, donc on va creuser donc à la verticale pour descendre sous le village, essayer de trouver des cavernes. Par ici par exemple, ça peut être bien.
Alors, du coup, ce qu'on cherche, c'est le cœur du donjon. Alors oui, il faut que j'appuie moins fort sur ma pelle, parce que j'ai fait une pelle un petit peu trop enchantée. Et du coup, il s'avère que si j'appuie trop fort quand je creuse avec la pelle, eh bien, ça creuse trop fort. Voilà, un petit conseil quand vous enchantez vos pelles, ne mettez pas trop efficacité dessus. Après, elles sont compliquées à gérer. Comme vous voyez là, j'ai du mal à m'arrêter de creuser à chaque fois. Ça devient compliqué. Voilà, hop, on se fait pour l'instant une petite entrée de mine gentillette. J'ai pas de coffre, j'ai rien pour ranger. Ça, c'est pas malin. C'est pas malin du tout. C'est pas malin du tout. Est-ce qu'il y avait des coffres dans ce village? Je crois sur la maison au-dessus. Peut-être là. Coffre? Non, pas coffre. Je crois que c'était sur une des maisons du haut. Celle-là, là. Il n'y a pas un coffre là? Ah bah sinon, je peux mettre dans le tonneau. Un tonneau, c'est bien aussi. Le tonneau qui est l'outil du pêcheur, l'outil métier du pêcheur, mais qui permet aussi éventuellement de stocker ce dont on n'a pas besoin pour aller en exploration. En attendant, ça c'est ma pelle de rechange, efficacité 3 c'est déjà trop. Bah, j'ai pas besoin en fait parce que j'ai mis raccommodage, donc je vais pas l'emmener. Si ça, je vais laisser quelques blocs, on sait jamais. Oh, j'ai pas pris beaucoup de nourriture. Bon, il va falloir être prudent. Ok, alors l'idée c'est de partir à creuser donc sous le village. Voilà, vous creusez où vous voulez, hein. Si vous avez d'autres cavernes à explorer, vous faites comme vous voulez. Et de trouver un donjon. Donc on part en timelapse et puis quand j'ai trouvé, eh bien je reprends le vocal, la leçon, pour vous expliquer comment on fait les différents objectifs une fois qu'on a trouvé un spawner qui, je vous rappelle, est le premier objectif. Le spawner, c'est le cœur du donjon. C'est voilà. On y revient dès que j'en ai trouvé un, je vous explique ça plus en détail. Alors avant de reprendre le timelapse quand même, mais tout de suite je trouve du charbon. Tout au long, je vais de ce timelapse, vous me verrez miner tout ce qui est charbon, redstone, parce que ça va te générer de l'expérience. Et regardez, voilà, ma pioche Fortune 3, elle a raccommodage, et donc à chaque fois que je récupère de l'expérience, elle se répare. Et vous voyez, elle n'est plus usée comme celle-ci, comme ces outils-là, donc juste parce qu'il y a raccommodage. Donc là, c'est très intéressant, en fait, dès que vous trouvez du charbon, d'aller le miner. Alors après, vous n'êtes pas obligé de miner tout, hein, puisque là, elle est déjà réparée. Moi, je finis, mais voilà. Le cuivre, par contre, je vais laisser pour l'instant. Ce n'est pas super intéressant. Allez, je reprends, et cette fois-ci, en timelapse. Ok, du coup j'interromps le timelapse parce que voilà, je trouve quelque chose. Je commence à désespérer, hein. Ça fait un moment que je descends. Je suis dans les profondeurs et là, par contre, j'ai trouvé quelque chose d'autre que ce que je cherchais. Ce n'est pas de la pierre moussue, mais un bout de bois. Et quand vous trouvez un bout de bois comme ça dans les profondeurs, eh bien, c'est que vous avez trouvé ce qu'on appelle une mine abandonnée. En anglais, on dit un mine shaft. Vous entendrez beaucoup ce terme-là. C'est malheureusement pas le sujet de l'épisode et pourtant, j'entends des araignées. Il y a des spawners aussi dans les mine shafts. C'est des spawners à araignées venimeuses. Mais c'est pas cela qu'on cherche, c'est ceux avec la pierre moussue. On va donc pas explorer le mineshaft, mais on va peut-être quand même l'emprunter. Voilà, donc là on voit ce que c'est qu'une mine abandonnée. Alors attention, parce que du coup, là il y a du monde hein, en général. Hop, il faut faire très attention dans un mineshaft. Et là, il va vraiment falloir faire très attention aussi à comment vous mettez des torches. Toujours à droite, hein, je vous rappelle. Ça va nous permettre d'explorer du coup quand même et de voir s'il n'est pas relié à des cavernes pour aller explorer plus dans les profondeurs. Et puis bah quand même miner, parce qu'un mineshaft, c'est très intéressant. Vous allez y trouver de l'or, vous allez y trouver... Ça manque de lumière chez moi là.
Vous allez y trouver des minerais et on va y trouver aussi des coffres, etc. Donc je ne vais pas en faire l'objet de la leçon, je vais le faire en timelapse, l'exploration. Donc regardez bien comment je fais, ça vous donnera une idée de comment on explore un timelapse. Et vous pouvez trouver sur ma chaîne d'ailleurs une vidéo au sujet des timelapses. Des timelapses. Voilà, alors ça c'est une araignée venimeuse, c'est exactement ce que je voulais éviter. Aïe, elle m'a empoisonné. Alors, quand vous êtes empoisonné, eh ben, du coup, on va quand même en parler du mineshaft. Eh bien, vous voyez, là, je perds des cœurs pendant que le poison en haut à droite clignote. Normalement, vous ne pouvez pas descendre en dessous d'un demi-cœur avec cet enchantement négatif, hein, cette malédiction plutôt, on va dire. Mais voilà, c'est quand même une très mauvaise surprise quand on rencontre ces bêtes-là. Donc ça veut dire que par là, il y a un spawner, quelque chose qui fait apparaître automatiquement des araignées venimeuses. Donc c'est un endroit où on va éviter d'aller à ce stade de l'aventure parce que je suis pas du tout équipé pour. J'ai pas du tout prévu d'explorer un mineshaft. Donc voilà, on est un petit peu... Oh là, il est là le spawner. Ouh là là. Alors comment vous le savez, c'est parce que vous voyez plein de toiles d'araignées comme ça. À l'endroit où il est, et donc ça va vous permettre de vous donner l'indice que attention spawner araignée. Regardez là-bas, on voit bien là-bas. Donc ce qu'il faut pour éviter d'être enquiquiné, c'est de mettre de la lumière. Voilà, comme ça vous allez essayer d'éviter un peu le spawner. Bon, on va essayer d'explorer de l'autre côté, nous. Donc là on doit le rejoindre, j'imagine, par là. Là il y a une grande pièce avec une autre araignée venimeuse. Zut de crotte. Donc là il faut apprendre à se battre, hein. Parce que là, elles peuvent vous faire très mal. Elles passent dans des tout petits interstices. Par contre, elles ont tendance à se stacker au plafond une fois qu'elles vous ont attaqué la première fois. Donc vous voyez, là, j'ai réussi à la taper deux fois et elle s'est coincée au plafond ensuite. Donc il faut jouer avec ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on récupère de la ficelle. Donc on va pouvoir faire un arc. Ça nous manquait. Par contre, j'ai pas pris de flèche avec moi. Mais bon, c'est pas grave. Donc on va plutôt aller de ce côté-là, hein. On va éviter. Et puis on va chercher des grottes. Voilà, je repasse en timelapse, du coup, en accéléré. Ah, bah là, non, pas tout de suite. Voilà. Bon bah voilà, je vous montre du coup ce qu'on peut trouver. Ah, une pomme dorée, ça c'est cool. Ce qu'on peut trouver dans un mineshaft, eh bien c'est des wagonnets de stockage, des minecarts, et dedans pas mal de trucs intéressants. Donc en général, ce que je fais, c'est que je récupère tout le monde, pouf, comme ça. Voilà, je casse tout simplement. On peut aussi récupérer les rails d'ailleurs, qui pourront nous servir quand on sera dans des leçons plus avancées. Donc là, très intéressant, on a récupéré des baies lumineuses qui se mangent, mais qui font aussi de la lumière et qui permettent de monter et descendre. Voilà, on en reparlera. Hop, hop, hop. Alors là, par contre, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Un squelette. Où est-ce qu'il est? Il est tombé. Apparemment, il est tombé tout seul. Ok. Deuxième coffre, par contre, on regarde. Ah, des torches et une étiquette. Alors ça, c'est super cool, une étiquette. Et puis des graines de pastèque, ça, c'est cool aussi, même si je savais où en trouver dans la jungle. Parce que ça va nous permettre de l'étiquette de renommer éventuellement quelque chose, un mob ou un animal ou un villageois. Donc un outil très sympa que vendent les libraires d'ailleurs en général. Hop, voilà, donc là on voit le petit squelette juste en dessous là. Et là il y a des grottes, donc ça m'intéresse par contre pour explorer. Oula, oui, c'est même une faille. Ah, mince, justement ce que je cherchais. Hop, on recule, vite. Voilà, eh ben ça tombe bien du coup, pas besoin de repasser en timelapse, on a trouvé ce qu'on cherchait. Merci le squelette de m'avoir orienté dans cette direction. Je vais juste mettre de la lumière par ici. Ok, et puis on va parler tout de suite. J'ai donc, vous l'avez vu de la pierre moussue. Comme j'ai vu de la pierre moussue, voilà, bon, ça suffit la lumière. Eh bien, ça veut dire que j'ai trouvé un donjon. J'ai trouvé un donjon. Waouh, ah bah merci, mineshaft plus donjon, la totale. La totale. Ok, donc là par contre, il m'enquiquine pas mal le squelette, là, à être là, parce qu'il va arriver à me taper. Et puis là, il faut qu'on aille sécuriser le donjon. Alors, comment on fait? Donc au cœur de chaque donjon, vous voyez là il y a de la pierre, et ça de la pierre ici dans les profondeurs, c'est juste pas possible. Par contre ce qui m'embête c'est que ce que j'entends c'est des bruits d'araignées, donc ça doit pas être le spawner qui m'arrange. Mais c'est pas grave, on va continuer à explorer, sinon si on en trouve un autre, on va peut-être avoir de la chance deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, on trouvera en accéléré s'il faut. Ok, donc comment vous sécurisez un spawner? Eh bien en fait l'idée c'est presque de vous précipiter dessus. Là c'est un peu trop tard, parce qu'on entend des araignées, ça veut dire que ça a déjà spawné dedans. Donc regardez, on va aller voir. Oui, voilà, elles se sont toutes mises au plafond, donc ça c'est l'avantage du spawner à araignée. Alors les araignées passent pas dans un bloc de large aussi, donc ça c'est pratique, parce que du coup, vous pouvez rester à l'entrée. Si c'était un spawner à squelette ou à zombie, la blague serait beaucoup moins drôle. Donc, bah, ça va me permettre de vous montrer un peu plus gentiment comment on désactive un spawner. Donc le spawner, c'est cette bête-là, cette espèce de grille, de cage plutôt en grille, où on voit des flammes, ça veut dire que ça va spawner parce que je suis suffisamment près. Donc pour le sécuriser, c'est tout simple en fait, vous mettez des torches dessus.
Voilà, et vous évitez évidemment les mobs qui ont déjà généré avant votre arrivée. Hop, donc là, on empêche en mettant des torches dessus. Normalement, une seule torche suffit, mais moi, je suis à l'ancienne. Donc, j'essaye de mettre toutes les torches. Là, bah, c'est cool, on va récupérer plein de ficelles. Voilà. Alors, dans les donjons, vous trouvez aussi un petit coffre hein, qui vous attend. Hop, et l'idée, voilà, c'est de sécuriser à bloc ce petit spawner. Donc, l'objectif numéro 1, il est atteint. Punaise, il y en a un autre là-bas. Il y en a un autre là-bas. Oh là là, alors ça, c'est... Attendez, c'est miraculeux, ça. Regardez, là-bas, vous le voyez ? Mais il y a un squelette dessus. Alors, est-ce que c'est un spawner à squelette ? Là, il est désactivé. Vous voyez, il n'y a pas de petite flamme. Donc, c'est-à-dire qu'il ne va pas générer de mobs parce que je ne suis pas assez près. Si c'était un spawner à squelette, ça m'arrangerait bien. Donc, on va se mettre un peu de lumière. Alors là, l'idée, du coup, on recommence. Ça va être de foncer. Mais on va peut-être essayer d'attirer le squelette d'abord, voir si c'est un spawner à squelette. Voilà, il m'a vu. On va essayer d'attirer le squelette ici. Voilà, histoire de se le faire. Oh là, il a une armure en or, faut pas mourir. Ah là, puis l'araignée m'attaque aussi. Aïe, aïe, aïe. Non, je ne veux pas mourir. Ah, mince, je sais ce que c'est du coup. C'est un autre spawner à araignée, visiblement. Un double spawner à araignée aussi proche. Ça, c'est dingue. C'est juste dingue. Ok, alors là, du coup, on sait que c'est des araignées. C'est plus simple à attaquer. Donc, on fonce, on se fait les quelques araignées, hop, qui sont là et qui nous attaquent. Et vite, on met des torches. Voilà. Et on empêche les araignées de continuer à attaquer. Ouh. Eh ben dis donc, double spawner à araignée. Alors je vous avoue que ça m'arrange pas du tout parce que c'était pas celui-là que je voulais vous montrer. Donc maintenant qu'on a vu comment sécuriser un spawner, les deux premiers objectifs sont remplis, bah, je vais continuer à explorer en timelapse toujours pour essayer de trouver d'autres spawners. Ça, voilà, on a trouvé des grottes, donc déjà ça c'est une bonne nouvelle. Et on va pouvoir continuer. Et puis on regarde ce qu'il y a dans le coffre quand même, accessoirement. Et bien là, c'est bien, on trouve un disque. Ça, c'est des choses qu'on ne trouve que dans les coffres comme ça de spawner. Donc ça, c'est super. Quelques ficelles de plus, donc ça, c'est cool. Les yeux d'araignée ici, je vais peut-être garder. La redstone, je vais remettre là. Des lingots d'or, ça ne se refuse pas. Des lingots de fer non plus. Coffre, des armures pour les chevaux, ça, c'est sympa aussi. Ça n'apporte pas grand-chose, mais c'est sympa. Et un disque, donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc par contre, eh ben, on va en profiter d'avoir un coffre ici. On va y laisser les quelques cailloux qu'on a récoltés tout en descendant. Et donc, je reprends en timelapse la suite de l'exploration. Thank you.
Hey, dans le mineshaft, il y a un autre spawner. Ok, bon. Ça fait un moment que je me balade quand même. Là, il y a de la lave. Donc là, il y a un spawner. Il est hors de. Je suis hors dehors de sa portée. Donc il ne doit pas encore générer des choses. Mais comment je l'ai su? Eh bien, grâce à Optifine. Ou si vous aviez une longue vue de la 1.18, vous pourriez regarder comme ça. Vous voyez, on voit les deux coffres et de la pierre. Et or, ici, c'est sûr, c'est. Et puis il y a de la pierre moussue au sol. Donc là, l'idée, c'est de foncer à fond les gamelles et de claquer tout de suite des torches dessus. Avant même de savoir ce que c'est. Oh, puis c'est celui que je voulais. Impeccable. Donc là, c'est bon. J'ai claqué une torche. Je m'occupe de ce qui a spawné. C'est un squelette. Ouais. Alors là, on a de la chance. Ok. Il n'y aura plus besoin de chercher. C'est celui-là que je voulais vous montrer en optimisation. Alors, je vais vous montrer une optimisation qui marchera aussi pour les zombies. Mais qui n'aurait pas marché pour les araignées. C'est pour ça que je cherchais vraiment ce genre de truc. Et encore une étiquette. Et un disque. Le même, malheureusement. Et un disque. Le même, malheureusement. Voilà, donc bah, très très bien. Il va falloir que je ramène un petit peu tout ce que j'avais. Voilà, là il est sécurisé, hein, il va plus spawner. On va pouvoir parler de l'optimisation. Je fais une petite ellipse, le temps de récupérer tout ce qu'il me faut dans les coffres. Et puis je vous explique comment on optimise un spawner. Donc là, on va pouvoir faire le troisième objectif, si je me souviens bien. J'ai un petit doute là sur l'ordre de mes objectifs. Du coup, donc je revérifie vite fait. Ah oui, c'était le premier. Non, j'ai dit deux objectifs, trouver et sécuriser le spawner. Ouais. Et bah, du coup, là, on va être sur l'optimisation. Bon, bref. Objectif qui va être atteint. Là, c'est vraiment important d'optimiser le spawner. C'est ce qui va nous permettre d'avoir de l'XP de façon assez rapide et efficace. Sans utiliser les villageois et sans attendre la nuit que les mobs spawnent. Alors, évidemment, j'aurais pu, hein, tout simplement, me mettre ici, enfin à côté, faire une petite cage pour que les squelettes spawnent, me voient et viennent me voir et je les tape jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais ça userait un petit peu mon équipement, même si j'ai raccommodage, ce serait un peu plus long. Donc, l'optimisation va nous permettre de voir comment on peut accélérer tout ça. Et c'est vraiment un des trucs qu'on fait très souvent dans Minecraft. Donc, il est important que je vous le montre dans une leçon. Une petite ellipse et on reprend ensemble. Très bien. Bon, on a trouvé un spawner et un spawner à squelette. Ou à zombie, ça fait l'affaire pour cette leçon. On évite ceux à araignées, ça nous arrange pas. Voilà, c'est comme ça. Ou ceux à araignées venimeuses, ça nous arrange pas non plus. Vous l'avez vu dans le début de cette leçon. Donc, si vous avez trouvé un spawner à squelette ou à zombie, ils vont s'optimiser de la même façon à quelques détails près. Et du coup, on attaque tout de suite. Alors, la grande chance que j'ai sur cet épisode, c'est que vraiment, je suis tombé dans un mineshaft avant de tomber sur les spawners. Et que donc, j'ai récupéré un sacré paquet de trucs utiles qui vont d'ailleurs m'éviter sans doute de retourner à la base. D'ailleurs, on va tout de suite utiliser un peu du bois du mineshaft pour se faire un établi. On aura besoin d'un peu d'équipement pour optimiser notre spawner. Avec les cailloux qu'on a récupérés, on va se faire un petit four parce qu'on a besoin de fer. Et comme on a récupéré du charbon, c'est très bien. On va pouvoir faire cuire notre fer. Hop! On a du bois grâce au mineshaft. On a du fer grâce à tout le minage qu'on peut faire autour. On en a en plus récolté directement ici. Enfin, vraiment, tip top. Voilà, donc pendant qu'on a commencé ces petits préparatifs, on va du coup optimiser notre spawner. Et ça commence par un petit peu d'optimisation, comment on va appeler ça? Géométrique dans l'espace. Alors, que je vous explique le fonctionnement d'un spawner. Un spawner, quand vous êtes suffisamment prêt, vous voyez, le squelette tourne à fond les gamelles. S'il n'y avait pas les torches, ça ferait apparaître 4 squelettes à chaque fois. J'ai un mini tuto ou un tuto complet à ce sujet-là sur ma chaîne. Je vous invite à le chercher. Donc, quand on est suffisamment prêt, il s'affole et il fait spawner. Il fait apparaître, hein, c'est un truc d'apparition en français. Spawner, c'est apparaître ou apparition, je crois. Vous me confirmerez, je suis pas si bon que ça en anglais. Et donc se neutralise avec de la lumière. Il faut qu'il y ait une lumière de 12 bien autour pour que ça ne puisse plus spawner. Parce que ça va spawner dans un rayon bien précis qui est de 4 de part et d'autre du spawner. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça va spawner. Là, ça ne pourra pas parce qu'il y a des murs, mais ça pourrait spawner. D'ailleurs, je vais commencer à creuser en même temps que je parle. Jusqu'à cette distance. Donc nous, on va creuser aussi pour justement optimiser l'espace de spawn. Pour qu'il fasse 4 de part et d'autre du spawner, ce qui devrait vous donner un cube de 9 par 9, tout simplement. 4 plus 4 plus 1 de spawner, ça fait 9. Hein, pour ceux qui ont encore un petit peu de mal avec les mathématiques, les chiffres de base d'ailleurs.
Ah, décidément, hein, c'est un épisode géométrie, mathématiques. Mes profs de maths doivent se retourner dans leur tombe. Non, ils sont pas morts. Oh là, qu'est-ce que j'ai pas dit là? Donc voilà, l'idée, ça va être d'optimiser comme ça, de se faire un espace de 9 par 9. Et ça, c'est pour l'horizontal. Maintenant, il y a le vertical. Le spawn vertical peut spawner de 2 au-dessus du spawner. Donc voilà, c'est pas utile de creuser plus. On pourrait même remplir au-dessus, mais ça n'a pas grand intérêt. On peut laisser vide. En plus, celui-là, il est vraiment tout propre. Voilà. Donc là, j'ai bien 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Nickel. On est perfect de ce point de vue-là. Au-dessus, on va être bien aussi. Alors, pour éviter d'oublier plus tard, l'idée, c'est d'éviter qu'il y ait un squelette qui spawn sur le spawner. Ça peut arriver. Donc, on met soit une dalle, soit un bloc plein, soit des blocs pleins jusqu'au plafond pour éviter ça. J'ai la flemme, très objectivement, de faire des dalles. Donc, on va se mettre des blocs pleins, tout simplement. Ou, attendez, on va faire un truc un peu plus esthétique, que je trouve sympa, que j'ai déjà vu dans des vidéos. Vu qu'on est dans un mineshaft et qu'on a des barrières ici, tout simplement. Décidément, la chance absolue d'avoir d'être tombé dans un mineshaft. Hein. On fera sans doute une leçon en deuxième année sur le mineshaft. Mais là, du coup, c'est juste de la chance. Hop, donc on va enlever les petites pierres que j'ai mis. Ce sera un peu plus joli que des gros cailloux de un par un. On va faire comme si, en fait, le spawner était suspendu au plafond. Voilà, tout simplement. Parce qu'on va creuser en dessous. Pourquoi on va creuser en dessous? Parce que c'est pareil. Les squelettes peuvent spawner de 4 en dessous. Donc, que je vous dise pas de bêtises, c'est 2 ou c'est 4? J'ai un doute. Du coup, non, c'est 4. C'est ça, c'est 4 en dessous. Donc, ça doit être 4 au-dessus aussi. C'est là-dessus que j'ai dû me tromper. Mais là, on s'en fout un petit peu. Je revérifie et je vous redirai ça. Mais voilà, ça ne va pas nous empêcher d'optimiser. Donc, 4 en dessous. On va donc descendre, nous, de 4. Tout simplement. Donc, on va essayer de voir un peu comment ça... Ah bah, en plus, on trouve du diamant. Non, mais c'est la fête. Moi, je vous dis, cet épisode, c'est la chance. C'est la leçon chanceuse à bloc. Un petit coup de fortune 3 et on a récupéré 10 diamants au passage. Bah, voilà. Donc, 1, 2, 3 et 4 en dessous du spawner. Ok. Donc là, on va creuser verticalement tout ce cube de 9 par 9 sur 4 de haut. Et alors, il y a deux écoles après. Soit on s'arrête là, c'est-à-dire qu'on va essayer d'évacuer le plus vite possible les squelettes de cette zone, car quand il y en a déjà 4, ils ne peuvent plus en faire réapparaître d'autres, donc il faut les évacuer de la zone de spawn qu'on est en train de délimiter. Et pour que ce soit encore plus efficace, moi j'ai tendance à creuser de 6, puisque le squelette fait 2 de haut, et donc en creusant de 6, dès qu'il est tombé, en fait, il libère les suivants, donc ça va encore plus vite. Donc c'est ce que je vais faire, parce que j'ai l'habitude de faire comme ça. Donc on va creuser de 2 de plus, je fais ça en accéléré, et puis on se retrouve juste après. Êtes-vous encore réveillé? Avez-vous trouvé votre spawner? Avez-vous tout fait déjà? Ben non, on est qu'au milieu de la leçon, donc vous n'avez forcément pas tout fait, et moi non plus. Et pourtant, c'est l'heure du quiz! Donc, deux questions. Vous répondez en commentaire, comme d'habitude. Combien y a-t-il de types de spawners
spawners dans Minecraft. Alors, je n'ai peut-être pas tout dit dans la leçon, donc il faudra peut-être chercher sur le wiki Minecraft, mais il me semble quand même que j'ai évoqué au moins un certain nombre. Et enfin, deuxième question, quelle est la meilleure source, selon vous, d'expérience dans Minecraft? Je vous donne dans cette leçon la mienne, mais c'est à vous de voir et de nous dire en commentaire ce que vous préférez comme source d'expérience. Voilà, on reprend l'épisode, c'est parti. Et voilà, juste derrière moi, vous avez donc une zone, un cube d'optimisation de la zone d'apparition des squelettes, donc d'un spawner. Et ça marche exactement pareil pour les zombies. Pour les araignées, les spawners araignées, c'est un peu différent parce que les araignées font que 1 de haut. Donc ça change un petit peu les dimensions, mais pas les dimensions horizontales. C'est toujours 9 par 9 le cube. Ça change pas. Donc maintenant, il faut qu'on optimise comment on ramène les squelettes à un seul endroit pour les frapper tous au même endroit. Et donc on va s'attaquer à ça. Pour ça, il vous faut deux sources d'eau. Donc ce que je vous conseille de faire, comme je vous l'avais vu dans les précédentes leçons, c'est d'avoir toujours deux seaux d'eau sur vous. Hein, je ne sais pas si vous avez noté, je l'ai dit dans un épisode, à un moment donné, que c'était très intéressant de toujours avoir deux seaux d'eau sur soi. Pourquoi? Eh bien parce que voilà, vous faites un petit trou de 3, vous mettez un seau d'eau à chaque extrémité, et comme ça vous faites une source d'eau infinie, tout simplement. Voilà, et donc ça vous permet de récupérer vos deux seaux dont on a besoin, puisque nous, on va descendre au fond de notre zone d'apparition. Donc j'ai vérifié d'ailleurs, je vous disais ça tout à l'heure, donc c'est bien une zone d'apparition de 9 par 9 par 3. C'est-à-dire que en hauteur, il faut 3 au-dessus du spawner. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je vous dis comme bêtise là? Non, c'est 1 au-dessus du spawner, 1 en dessous du spawner. Voilà, 3 avec le spawner. Et 4 de part et d'autre du spawner qui font 9 dans chaque direction à l'horizontale. Ça, c'est la zone d'apparition. Et la zone de modération, celle où il ne faut pas qu'il y ait plus que 4, enfin de plus que 6 mobs exactement, en même temps pour que ça continue à apparaître, c'est 9 par 9 par 9. Donc il faut les faire sortir de 4 en dessous du truc, du spawner, du truc, n'importe quoi, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, et pour au passage vous préciser, il faut que vous soyez, pour que le spawner soit actif, dans les 16 blocs autour. Donc attention, 16 blocs de rayon autour du spawner. Donc là déjà par exemple on est à 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc il ne faut pas que je m'écarte plus que le centre de ma source d'eau infinie. Sinon, ça ne va pas le faire, il ne sera pas actif. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye de les ramener tout simplement dans une zone où nous, on va se positionner. Et vous allez voir, c'est tout simple. En fait, vous mettez une de vos deux sources d'eau dans un angle, une autre source d'eau dans l'autre angle. Il faut que ce soit vraiment bien plat. Et vous voyez qu'avec la mécanique de l'eau, ça vous dessine une sorte de triangle. Ce triangle, vous allez tout simplement le pré-creuser d'un niveau. Voilà, vous allez augmenter un petit peu votre zone d'apparition de un niveau. Alors pour l'instant, vous dites, bah oui, c'est bien, mais tu vas ramener les squelettes en vrac ici, là. Non, non, vous allez voir, c'est encore plus subtil que ça. C'est super génial, ça marche du feu de Dieu. Hop, d'ailleurs, mon accès, là, n'est plus bon. J'avais fait un accès pour arriver à la bonne hauteur. J'avais oublié que j'allais recreuser un petit peu après. Voilà, une fois que vous avez fait comme ceci, vous avez donc votre triangle, vous pouvez récupérer au passage les minerais quand vous en trouvez, hein. Hop, surtout du fer, on en a besoin, hop, et on rebouche, faut que ce soit bien plat. Vous avez donc un centre. En face, vous allez donc localiser les deux blocs juste en face, et vous allez creuser de, que je vous dise pas de bêtises, donc ici, deux crans, comme ça, et donc ici, comme ça. Voilà, donc vous laissez deux trous. Hop, ouais, c'est ça, vous allez même creuser deux fois plus, et vous allez récupérer des barrières, nous on a de la chance, elles étaient dans le mineshaft, que vous allez mettre ici. Ok, donc là normalement, voilà, le squelette arrive dessus, impeccable. Donc l'idée, c'est qu'avec les barrières, les squelettes vont sauter, enfin vont vouloir avancer, et enfin ils vont être poussés par l'eau pour sauter, pour avancer, pardon, et grâce aux barrières, ça va les faire sauter, et plus tard, on les fera monter de 22 blocs, mais ça, on peut pas le faire tout de suite. Pour l'instant, on va essayer de tous les localiser ici, sur ce bloc-là. D'ailleurs, on va le mettre en terre tout de suite, comme ça, on se rappellera que c'est ce bloc-là qui doit être d'une autre forme. Bon, j'arrive plus à récupérer les blocs en dessous. Ok, une fois que vous avez fait ça, ça devient très simple. Vous allez tout simplement enlever un bloc tout le long, là, tout le périmètre, juste un. Vous allez voir, ça va être génial. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, il y a 9 blocs à enlever. Voilà, j'avais jamais compté, mais c'est l'occasion. Et vous voyez, là, ça devient super. Avec la mécanique de l'eau, du coup, si un squelette tombe ici, pouf, il est tout simplement ramené gentiment par l'eau, ici,
D'ailleurs, on voit pas grand-chose, là. Hop, là, ça s'accélère un petit peu. Il est ramené là. Il va tomber. Là, comme il y a les petites barrières, boum. Et là, lui, il va pousser à sauter. Il va venir se stocker ici. Et nous, c'est ce qui nous intéresse. On va les stocker ici. Donc là, on va se faire un petit espace pour l'instant. Alors, on fera une deuxième optimisation plus tard. Vous verrez ça. Mais pas tout de suite. C'est une deuxième optimisation. Donc, là, pour optimiser complètement, on va reprendre ces blocs-là pour qu'on voit bien la différence. Donc, nos squelettes vont se mettre ici. Nous, on va creuser un tout petit peu en dessous. Hop, voilà. Et on va les empêcher de passer. Voilà, comme ceci. Alors, je réfléchis, parce que si je me mets là, ils vont venir me taper. Ils vont vouloir me tirer dessus. Ça va être un peu gênant. Oui, mais c'est pas si gênant que ça. On pourra les taper de biais. Ouais, on va tenter comme ça. On va tenter comme ça. Et donc là, par contre, je vais rouvrir pour aller voir parce que mon escalier, il est là. Donc là, il va falloir qu'on rebouche. Voilà, on arrive bien ici. Impeccable. Il va falloir juste que je refasse mon petit escalier un petit peu plus loin pour pouvoir descendre dans la zone qu'on va appeler la zone de frappe. Donc là, on a la zone d'apparition, la zone de modération, la zone d'activation et la zone de frappe. Ça fait beaucoup de zones, tout ça, pour un seul spawner. Mais ouais, c'est comme ça que ça marche. Et là, par contre, du coup, on va se tout de suite reboucher, parce que ça n'a aucun intérêt de laisser ouvert ici. Hop, hop. Au risque que les squelettes puissent passer. Ici, je vais quand même laisser... Je vais refermer un tout petit peu. Mais on va se laisser un petit passage parce qu'il va falloir aller enlever les torches. Et vous allez voir, c'est toute une histoire. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, votre spawner, il est déjà bien optimisé. Donc là, vous allez pouvoir mettre un petit bloc là pour bloquer les squelettes. On va pouvoir aller enlever les torches et on va voir si ça fonctionne. Normalement, votre spawner, il est optimisé pour un niveau 1, c'est-à-dire Académie première année. Mais on va quand même aller plus loin. Mais pour ça, ce sera dans la leçon suivante. Il faut qu'on aille ailleurs. Et en Académie deuxième année, je pense qu'on optimisera différemment le spawner. Vous verrez. Mais déjà, là, vous avez la base. La suite de l'optimisation est très simple à mettre en œuvre. Mais là, l'idée, c'est vraiment de ramener tous les squelettes se stocker ici sur le bloc de terre pour que ça fonctionne. On va voir tout de suite, d'ailleurs, si ça fonctionne. On va se faire un petit passage pour aller se faire les torches. Là. Alors moi, non, j'ai tendance à faire des bêtises dans ce genre-là, voilà. Vaut mieux le faire en terre, c'est plus rapide à enlever. Hop. Alors l'idée, ça va être d'enlever les torches dans un ordre bien précis pour pas être enquiquiné après. Parce que là, vous avez une torche qui est juste derrière, comme vous pouvez la voir. Hop. Donc celle-là, déjà, on l'enlève. Ok. Et donc, on n'a plus besoin de toute cette terre-là. Donc ça, hop, on enlève. Cette torche-là, on enlève. Voilà, donc là c'est bon, on prend le temps de se reculer, on enlève bien la terre, parce que les squelettes pourraient spawner dessus, et là vous êtes dans le caca. Donc là ce qu'il faut voir c'est jusqu'où vous pouvez atteindre les deux torches là. Donc là jusqu'ici c'est bon, donc je peux enlever ça, donc là je vais enlever celle-ci, là j'enlève. Attention, vous allez voir, ça va spawner tout de suite. Hein. Voilà, et vous voyez, il m'a repéré tout de suite le squelette, boum, il me tire dessus. Mais voilà, j'enlève vite mes deux torches qui restent. Je vais fermer parce qu'il faut qu'il y ait zéro lumière autour de votre spawner. Voilà, donc là, c'est tout bon. Sachez que vous pouvez, avec les éclats d'améthyste, faire des verres fumés qui vous permettront de laisser du verre ici pour voir un peu ce qui se passe dans votre spawner. Nous, ce qui nous intéresse, c'est maintenant ce qui se passe en bas. Alors, j'ai plus d'épée, je l'ai cassé pendant l'exploration. Et vous voyez, le squelette, ça a bien marché. Il est venu se stacker ici. Et donc, en restant là, je suis dans la zone d'activation. J'ai plus qu'à attendre. Et petit à petit, les squelettes vont venir se stacker, s'agglutiner, on va dire en français, sur le petit bloc de terre. Et moi, je vais pouvoir tout simplement taper sans fin sur tous ces squelettes. D'ailleurs, ils sont en train de s'enquiquiner les uns les autres, là. Voilà, et bah, il y en a un qui a tiré, du coup, ils sont en train de s'entretuer. Alors moi, je veux pas que vous vous entretuiez sans récupérer l'expérience, donc je vais vous taper à distance, là. Voilà, parce qu'il y en a un qui m'a vu, en fait, il a essayé de tirer. Et bah, les autres se tirent les uns sur les autres. Voilà, ils sont tous en train de se tirer dessus. Mais ça marche bien, comme vous pouvez voir. Ils arrivent tous. Le seul défaut, c'est que voilà, pour que je les fasse bien arriver... Alors, je vais récupérer quand même des trucs. Ils viennent pas bien sur la terre, quand même, là. Hop. Ouais, lui, il est bien vu. Ok. Alors, par contre, le défaut, c'est que j'arrive pas à récupérer les items qui restent de l'autre côté. Ça, c'est enquiquinant. C'est enquiquinant. Bon, c'est pas normalement là que je les frappe hein, quand il est complètement optimisé, donc c'est pour ça. Hop. Alors l'intérêt d'un spawner à squelette, c'est que vous allez récupérer masse flèche normalement et masse aussi
arc, os, et pourquoi pas arc enchanté. Donc vraiment super rentable. Donc là, bah, ils arrivent, hein, ça fonctionne. Voilà, donc la mission, en tout cas, elle est accomplie. Vous pouvez sûrement améliorer ce que j'ai fait là par rapport à la zone de frappe. Parce que là, je récupère pas les items, ça m'embête. Peut-être que si je creuse ici. Voilà, il y en a encore un autre qui a réussi. Ah, voilà, là, je devrais tout récupérer. Impec. Donc là, c'est peut-être par là qu'il faudrait que je les frappe, par vraiment en dessous. Voilà, parce que là, ils sont en train de s'entretuer, les cocos. Et moi, je prends pas l'XP quand vous faites ça. Hop, donc faut que je les tape au moins une fois pour avoir l'XP. Donc là, l'idée, il faudrait pas qu'il me voit en fait. Donc on va plutôt se mettre sur le côté. On va remplir ici. Et c'est plutôt là qu'on va essayer de frapper. Voilà, là, ils me verront sans doute moins. Ils devraient moins me voir. On va essayer de descendre carrément là. Hop, ok. Donc là, s'ils me voient, de toute façon, ils vont essayer de tirer par là. Donc là, on n'a plus qu'à se mettre là. Alors avec une épée, évidemment, je ne taperai pas qu'un seul squelette. Ce serait plus efficace. Là, j'en tape qu'un à la fois. C'est pas super méga efficace. Oh oh, il m'a vu. Je voulais juste récupérer les items, moi. J'ai vu des flèches. Ah, ou c'est la flèche qui m'est tombée dessus, peut-être. Et oui, j'ai déjà récupéré un arc. J'ai récupéré 28 os, 23 flèches. Donc là, on va être tout bon. On a récupéré quand même du stuff. C'est super. Alors, dans les trucs que vous pouvez faire, évidemment, parce que j'ai oublié de vous montrer le principal intérêt. Vous avez vu, ou vous n'avez pas vu. Je suis, hop, à 16 d'XP. Alors que j'étais descendu très très bas. Donc là, c'est vraiment très rentable. Hop, je vois aussi qu'il faut que je mange. Ah, ils sont encore en train de s'entretuer, mince. Il va falloir que j'optimise un petit peu mieux cette zone-là. Mais vous avez compris le principe, et donc là, vous allez devoir faire preuve d'un peu d'ingéniosité vous-même pour voir un petit peu comment on optimise tout ça. Et puis surtout, venez avec une épée, ce sera mieux. Ce qui m'embête, c'est la récupération des items. Hop, donc si je fais comme ça... Ah oui, mais là, il y a de l'eau. Là, il y a de l'eau. Ah, mais je pourrais aussi les frapper là. Là, l'idée, c'est vraiment quand même de les stocker là. Donc, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Hop. Alors, comment on va bloquer l'eau? Je vais vous montrer ça tout de suite. Ouais, on va faire comme ça. Alors, vous récupérez un petit peu de bois. Là, j'ai récupéré beaucoup de choses en minant. Ah, ben, il n'y a plus de place dans mes coffres. Donc, un petit peu de bois, quelques bâtons. Hop. Et vous faites une pancarte qui va vous permettre de bloquer l'eau. Ici, hop, juste en mettant votre pancarte. Voilà, comme ça vous êtes tranquille. Et puis vous allez pouvoir venir vous mettre ici, là ils vous voient pas. Là vous allez pouvoir les taper. Et on laisse quand même notre optimisation, là c'est pour plus tard. D'ailleurs on va peut-être mettre un autre bloc en attendant, pour pas qu'ils nous voient. Voilà, complètement. Voilà. Là vous pouvez les frapper tranquille. Et... récupérer tout XP. Ouais, je suis déjà à 17. Alors, c'est au début, quand vous avez fait ça, vous êtes tellement content que vous pourriez y rester des heures. Donc là, par contre, je vais récupérer les items aussi, s'il vous plaît. Ouais, là, il y en a un qui m'a vu. Et donc, il a tiré, il a touché son camarade. Et c'est parti, c'est la guerre. Voilà. Si vous restez là, vous voyez, je suis déjà à 18. Et encore, je répare ma hache au fur et à mesure. Tiens, il y en a un qui était resté là-haut. Voilà, donc là, vous avez compris le principe. Ça marche très bien. Hein. C'est juste, voilà, il y avait un petit détail à régler par rapport au fait qu'ils me voient. Vaut mieux les taper en latéral. Et vous avez optimisé votre spawner. Voilà, on est au troisième objectif, si je ne m'abuse. De cette leçon, on a trouvé un spawner, on a sécurisé le spawner, on a optimisé le spawner. Maintenant, on va voir rapidement si ça vous semble trop laborieux tout ça, chercher et d'optimiser. Il y a un moyen beaucoup plus simple, eh bien, de récupérer de l'XP, mais qui demande un petit peu de travail aussi, et idéalement que vous ayez trouvé du cactus, par exemple. Et aussi du bambou. Donc ça fait quand même double, hein, double chose à trouver. Donc soit vous cherchez des spawners, soit vous cherchez du cactus et des bambous. C'est vous qui voyez. Pour ça, on va se retrouver à la base. Je vais rentrer. Entre temps, je vais essayer d'optimiser un petit peu tout l'accès ici pour revenir plus tard. Évidemment, ici, vous pouvez, vu que c'est loin de votre base, ramener une autre table d'enchantement avec les bibliothèques qui vont bien, puisque c'est ici que vous allez faire de l'expérience. Donc je vous conseille fortement de ramener... table d'enchantement, bibliothèque, enclume, une meule pour désenchanter les arcs que vous allez trouver. Il faut savoir que les arcs aussi d'un spawner à squelette peuvent servir de combustible, donc vous pouvez faire un four optimisé ici aussi. Voilà, vous pouvez faire plein de choses. D'ailleurs, peut-être que
L'autre source d'XP sans avoir besoin de mobs et sans villageois, eh bien on va venir la faire ici. Je vais juste récupérer le nécessaire, préparer le terrain pour vous montrer tout ça pour pas que l'épisode dure quand même trop longtemps. Et donc on verra comment gagner de l'XP sans mobs et sans villageois en faisant rien en fait. Tout simplement en ne faisant rien. Juste en restant connecté à côté. Donc faites ça à côté de votre mine par exemple, ou à côté d'un spawner si vous en avez déjà trouvé un et optimisé un, ce sera parfait. Allez, on se retrouve dès que j'ai fait le nécessaire, que j'ai ramené ici tout ce qu'il faut pour faire la source d'expérience sans mob et sans spawner. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve donc dans la zone du spawner optimisé niveau 1. Je vous rappelle, il y aura un niveau 2. J'ai pris pas mal de temps, pas mal d'aller-retour aussi. Hop, je vous montre juste quand même, à chaque fois que je suis passé, je suis quand même allé taper les squelettes, et regardez, c'est quand même la super récolte à chaque fois. Hein. Voilà, donc là d'ailleurs, on va en profiter, on va récupérer tous les arcs, là, ça va m'éviter de dépenser de la ficelle et des bâtons, tout simplement, vous allez voir, c'est vraiment génial de trouver un spawner, un squelette, et en plus, on en a chopé un enchanté. Donc ça, c'est tip top. On a aussi chopé des bottes en cuir enchanté, on a chopé, voilà, plein de choses. Donc je remets tout sur moi, j'ai plus assez de place, c'est pas grave. Et on va descendre voir un peu comment j'ai aménagé toute la zone pour être un peu plus... optimal, on va dire ça comme ça, optimisation totale, voilà. J'ai ramené donc de quoi faire une table d'enchantement, enclume, meule pour désenchanter, enclume pour fusionner les trucs qui sont enchantés, la table d'enchant pour profiter de toute l'XP. Regardez, je suis déjà à 28 à force de taper les squelettes, là j'étais à moins de 10 hein, je crois, j'étais à 17 hein, quand c'est quitté, et j'étais à moins de 10 quand on a commencé la leçon. Donc voilà, ça va quand même relativement vite. Là, donc, il continue à se stacker ici. Moi, je me mets là, en général, et je frappe. Voilà, donc c'est un petit peu long, parce que, bah, voilà, faut attendre qu'il soit poussé dans l'eau. Mais c'est quand même tellement tranquille, facile, voilà, et on récupère un max de trucs. Alors, de temps en temps, oui, il y a des flèches que j'arrive pas à rattraper, ou un arc, alors je suis obligé de me rapprocher. Le problème, c'est que dès que je me rapproche, il y en a un qui me voit, qui tire sur ses copains, et, bah, ils s'entretuent. Ils s'entretuent tous autant qu'ils sont. Mais vous verrez, l'optimisation niveau 2, c'est plus simple et beaucoup plus efficace encore. Mais on ne peut pas la faire avant la leçon prochaine. Voilà, donc avant la deuxième année, tout bien pesé. Tiens, vous voyez là, celui-là, il m'a repéré du coin de l'œil, le squelette là. Je l'ai vu bander son arc. Hop, et là, je suis full. C'est pour ça que j'arrivais pas à récupérer, tout simplement. Alors, une fois que vous avez récupéré plein de choses, hein, vous n'hésitez pas, vous fusionnez les arcs, par exemple. Voilà, hop, et vous avez un arc en parfait état, comme ça. Vous continuez à les fusionner. C'est très rentable. D'ailleurs, je me demande si on peut pas les fusionner directement là. Ouais, voilà. Et donc ici, vous pouvez aussi désenchanter. Donc les bottes, par exemple, vous les mettez là. Et vous désenchantez, ce qui vous fait de l'XP en plus. Les casques en or et tout ça, bah, ça, on va les faire cuire. Donc en général, le cuir, les bottes en cuir, tout ça, on laisse... on jette. Hein. On jette. Mais bon, si vous avez envie de les garder, si vous en voyez l'utilité, eh bien, vous gardez. Pour l'instant, on va stocker ici. Les os, pareil. En général, on stocke. Hop, voilà. Donc là, ce que vous venez de me voir faire, c'est en maintenant le clic droit enfoncé, je remplis de 1 chaque truc. Et en faisant un double clic, du coup, je remplis automatiquement. Vous voyez, là, je vais mettre toutes les flèches. Si je fais un double clic en maintenant Shift enfoncé, touche majuscule, eh bien, ça remplit directement toute la ligne sans se poser de questions. Donc maintenant, j'ai un super arc. Là, je suis content. Enfin, j'ai un arc. Il n'est pas encore super. Hop, on va stocker les autres. Pour l'instant, ils ne nous servent à rien. Ça, c'est pareil. On en reparle dans quelques minutes, puisque du coup, on est revenu pour parler aussi de comment gagner de l'XP sans avoir... Hop, voilà. Ça va nous coûter 4 d'expérience. Alors attention, je vous rappelle que quand vous fusionnez, ça peut être intéressant d'inverser. Bah voilà, non, parce que ça coûte 5, mais des fois, c'est l'inverse. Donc là, on prend le moins cher des deux. Et comme ça, j'ai un arc enchanté et avec des flèches sur moi. Hop, on va prendre un stack de flèches. Youp, voilà. Eh bien, je vais pouvoir tirer à l'arc. Donc, on ne l'a pas encore fait. Donc, je vous montre avec une cible squelette. Je bande en maintenant le clic droit enfoncé. Je vise et je tire. Boum. Et voilà, j'ai fait le progrès dans la ligne de mire. Donc, mon arc étant pas super pour l'instant, je vais éviter de l'user bêtement. À rien. Parce que là, du coup, il n'y a pas besoin pour les squelettes. Mais ça va nous permettre d'avoir enfin une arme à distance. Et donc là, on devait être un peu plus tranquille. Notamment avec les creepers. On pourra taper à distance. Ils sont encore en train de s'entretuer. Bon bref, je ferai ça plus tard. Pour l'instant, vous montrer comment gagner de l'expérience. Quand vous n'avez pas de spawner, eh ben, c'est plutôt simple. Alors j'avais préparé une méthode un peu plus compliquée. Regardez, avec cactus, sable, bambou, entonnoir, des coffres, des fours, etc. D'ailleurs, on va quand même prendre les fours.
Hop, mais c'était trop compliqué et surtout il me manque quelque chose de la leçon prochaine. Donc bah voilà, on est coincé comme pour l'optimisation niveau 2 du spawner. Donc bah, on fait avec, on va se débrouiller sans. Donc ce qu'il vous faut, c'est des fours, quelques coffres, quelques entonnoirs. En fait, on l'a déjà fait à la base, mais on va le refaire ici juste pour que vous compreniez le principe. Tout le reste, là, j'en ai pas besoin pour l'instant. Est-ce qu'on le fait ici ou juste à l'étage du dessus? C'est pas mal aussi de le faire à l'étage du dessus, parce que c'est ici que ça, on déclenche le mieux le spawner. Le spawner, en fait, plus vous êtes à son niveau, plus vous êtes proche, plus il sera rapide. Or, si je suis tout en bas, je suis en diagonale, je suis un peu plus loin que là. Ah bah mince, ça marche pas avec mes barrières, vous avez vu, il y avait un squelette qui était au-dessus du spawner. Donc ça, c'est pas bon. Bon, bah, c'est pas grave, ça faisait un squelette en moins, mais qui ralentissait du coup le spawn. Donc, eh ben, c'est quand même embêtant. On va essayer de rectifier ça. Alors là, par contre, regardez, ça spawn dur. Il y a du monde en bas. On va rectifier ça hors caméra. Hein. C'est pas pour tout de suite. J'ai plus de cailloux, mince. Hop. Voilà, ils sont encore en train de s'entraîner. Bref. Donc, c'est ici que ce sera le mieux pour déclencher le spawner, parce qu'on est au même niveau que lui. Donc, on va se faire un peu de place pour que vous voyez. On va me poser un peu au-dessus. Alors, faut que je fasse attention parce que j'entends des araignées au-dessus. Donc, à mon avis, on est tout près d'un autre spawner, celui des araignées venimeuses. Décidément, ce secteur est génial pour l'XP. Hein. Tiens, d'ailleurs, regardez, si on monte là. Non, il n'y a rien ici. Il y a une chauve-souris. Ok. Bon, a priori, ça craint rien, là. On va pouvoir enlever tout ça. Hop. Oui, mais c'est par là qu'on arrive, en fait. Suis-je bête? C'est par là qu'on arrive, non? Il me semble... Non, c'est par là qu'il y a un spawner à araignées. Ok, sauf qu'il peut... Ah, je pourrais presque faire tomber les araignées. Oh, on pourrait faire un double optimisation, là. Activer le spawner à araignées de ce côté-là, en même temps qu'on active le spawner à squelette, et puis alterner d'aller taper les uns les autres. Ouh là 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 là, quelle optimisation! Bref, c'est pas le sujet. Notre sujet, c'est d'abord de gagner de l'XP sans ces mobs. Et ben, c'est relativement simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... hop, la même chose qu'on a déjà fait dans l'optimisation de la cuisson. Et je vous explique pourquoi. C'est tout simple. C'est tout simple, tout simple. Je crois que je ne voulais pas expliquer quand je vous ai mis montrer les fours optimisés. Donc, on va rectifier cette erreur. Donc, vous mettez deux entonnoirs pour récupérer ce qui va tomber du four. Hop, là, vous mettez deux fours. On optimise un double coffre, deux fours. Voilà, on essaye de faire un double. C'est quand même mieux. Ensuite, on va remettre des entonnoirs au-dessus du four pour ce qui va être à cuire. Pour le combustible, eh ben, on va se mettre sur le côté, par exemple. Ça va nous éviter de creuser derrière. Alors on va quand même creuser un petit peu au-dessus. Parce que, hop, le double coffre qu'on va mettre là, lui, il va avoir besoin de pouvoir s'ouvrir. Sinon, il ne laissera pas tomber dedans. Là, on récupère d'ailleurs ce qu'on a mis à cuire sans le vouloir. Hop. Ici, on va mettre un coffre pour mettre du combustible. Je dois encore avoir un peu de charbon, normalement. Voilà, on va faire avec du charbon pour l'instant. Je pourrais faire avec du bois, hein. Je vous rappelle, il y a plein de combustibles possibles. Donc là, hop, je mets la moitié de mon charbon, la moitié de mon charbon. Et hop, ça se remplit en combustible. On est d'accord. Ensuite, ici, on mettra ce qui est à cuire. Et ici, on va mettre, on va récupérer ce qui est cuit. Ok, vous me direz, ça, tu nous as déjà montré. Eh bien oui, je vous ai déjà montré, effectivement. Mais vous allez rajouter ceci. Donc, majuscule enfoncée, un clic droit, un clic droit. Vous allez mettre deux leviers sur les fours, et quand vous activez les leviers, du coup, ce qui va être à cuire ne peut plus tomber dans l'entonnoir. Je vous montre. Hop, non, j'ai des cailloux, c'est bon. Tiens, on va cuire de la pierre des abîmes pour changer, comme ça, ça fera de l'ardoise. Donc, on en met deux. Hop, quoi, c'est pas descendu. Ah, parce que l'entonnoir bloque... mon levier bloque déjà. Donc, vous le laissez descendre. Hop, voilà, c'est... Ah, évidemment, ils sont tous les deux descendus du même côté. Un, deux, voilà. Comme ça, on a bien deux, deux. Ok. Pendant que ça cuit, vous bloquez. Vous voyez, donc ça finit la cuisson. Et là, vous avez une ardoise des amimes qui est bloquée. Elle ne descend plus dans le coffre, alors que j'en ai déjà une qui est descendue. Ok, jusque-là, vous suivez. Donc là, pareil, elle est bloquée. Si jamais je veux en cuire beaucoup, je débloque. Ça descend bien en dessous. Et ça va s'enchaîner parce que du coup, on va en mettre beaucoup. D'un coup. D'un coup, du coup, j'arrête pas de coups là. Hein. Beaucoup de coups dans l'histoire. Voilà, donc là, ça se remplit, ça va cuire tout ça. Et c'est là que ça devient intéressant.
Parce que le four est un collecteur d'expérience. Chaque chose qu'il va cuire va vous générer de l'expérience. Le problème, c'est que pour que vous la récupériez, il faut récupérer l'item cuit. Or nous, on le fait descendre automatiquement dans ce grand coffre pour gagner du temps, pour avoir optimisé nos fours. Donc l'idée va être tout simplement de les bloquer. C'est pour ça qu'on met deux leviers. Donc ça bloque les entonnoirs au-dessus et en dessous, ça c'est pas très grave. C'est juste le temps en fait de bloquer une cuisson. Donc paf, paf, on bloque. Là, il y a bien un item qui reste bloqué. Là, il y a bien un item qui reste bloqué. Et quand je vais récupérer cet item, vous allez entendre un gling-gling parce que je récupère de l'XP. Voilà, je sais pas si vous avez entendu et vu, mais la petite barre ici a bougé très légèrement parce que je suis déjà à 20 d'XP et du coup j'en ai récupéré un petit peu. Et là je vais pouvoir faire pareil. Donc là attention, vous regardez bien la petite barre ici, là vous dirigez votre regard en bas, voilà, vous avez vu la petite barre bouger, ok, donc vous pouvez redébloquer. Donc là vous allez me dire, ouais non mais tu te moques de nous, c'est ridicule là ce que ça a augmenté à peine une demi-barre. Bah une demi-barre pour quelques blocs de cuisse c'est déjà pas mal, enfin c'est pas une demi-barre, hein, c'est un demi, je sais pas quoi, chevron on va dire. Et imaginez maintenant que vous ayez laissé cuire des stacks et des stacks et des stacks de pierres, justement, de pierres des abîmes. Hop, tiens, allez, on va le faire. On va se récupérer plein d'ardoises des abîmes. On va cuire plein de pierres des abîmes. Mais plein. Comme ça, on aura plein d'ardoises des abîmes. D'ailleurs, on peut remettre avec ses copines dans le coffre. On va cuire tout ce qu'on a en pierres des abîmes. Soyons fous. Hop. Et puis, on va attendre, on va revenir. On va te laisser tout cuire. On va juste en bloquer un dernier, celui qu'on veut récupérer. Et en fait, l'intérêt, c'est que l'XP d'un four de cuisson va se stocker dans le four. Donc, au moment où vous allez récupérer le dernier, vous allez récupérer l'XP de tout ce qui aura été cuit ici. Donc, on fait une petite ellipse. Je laisse tout se cuire. Pendant ce temps-là, je vais aller taper du squelette. D'où l'intérêt de faire ça à côté d'une zone où vous avez une occupation. Et puis, on se revoit tout à l'heure pour voir un peu ce que ça donne. Ok, bah pendant que les squelettes continuent à s'entretuer, je suis allé en tuer pas mal mais ils m'ont vu, du coup on revient au four, je vais vous montrer 2-3 trucs pour terminer sur l'expérience sans avoir besoin de mobs, juste avec des fours. Vous voyez que là on a déjà cuit 64 et 20 ardoises d'abîme. Ardoise des abîmes. Juste, à quoi vous sert de garder tous ces arcs et compagnie? Bah, ça vous fait du combustible pas cher. Donc vous n'hésitez pas en fait à les mettre dans vos coffres de combustible. Donc ça cuit pas longtemps, c'est pas super génial, mais ça vous fait quand même du combustible pas cher. Voilà, moins cher en tout cas que le charbon, puisqu'il suffit d'aller taper vos squelettes. Et pareil, vous avez récupéré des armures en or, bah vous en avez pas forcément besoin. Donc vous pouvez tout simplement les mettre dans le coffre en haut pour les cuire, ce qui va vous donner des pépites d'or. Voilà, donc vous optimisez votre spawner et en même temps vous faites une optimisation de four, vous avez encore double expérience. Et donc maintenant, hop, on bloque la cuisson. Voilà, donc on attend que le dernier se termine. On regarde où on est à 28 d'expérience. La barre, elle est juste ici, là, voilà. Et on va voir combien on a récupéré avec presque un stack et demi de cuisson de pierre. Attention, on regarde bien en bas. Hop, presque un chevron entier. Je vous rappelle que plus le level est élevé, là on est à 28, moins les chevrons grimpent vite. Hein. Donc c'est pas impressionnant là, mais on gagne beaucoup d'XP avec les fours. Et là, paf, de l'autre côté, le deuxième four nous en ramène aussi. Et vous voyez donc que du coup, ça a bien augmenté. On était juste là, hein, de mémoire. Donc quand même presque un chevron entier, avec si peu. Et puis là, paf, on remet en descente. Hop, il n'y a plus qu'à. Et c'est parti. Et puis on peut ranger évidemment aussi l'ardoise des abîmes qu'on vient de récupérer. Voilà, je range aussi, tant que j'y pense, les petits cailloux, le lapis, il faudra que j'aille le ranger en bas. Ça sert plus à rien. Boum, voilà. On va ranger les panneaux là, les coffres en bas. Voilà, donc une autre solution pour gagner de l'XP sans mob, c'est d'optimiser vos fours. Évidemment, l'idée aurait été de faire avec ce que j'avais mis dans le coffre ici, une usine assez tordue en soi. Non, elle n'est pas très tordue, elle n'est pas si complexe que ça, mais voilà, elle est intéressante. C'est-à-dire que le bambou est un combustible et le cactus est un truc à cuire qui rapporte beaucoup d'expérience pour rien. Donc on peut faire une usine à bambou, cactus, à côté d'une usine à bambou. Et avec un système d'entonnoir, de minecart et de rails, récupérer du coup le bambou pour alimenter des fours, le cactus pour mettre à cuire. Avec le système que je viens de vous montrer, du coup, vous avez une usine sans mob, sans fight, en mode pacifique, ça fonctionne, qui vous permet de tout simplement gagner de l'XP sans prendre aucun risque. Voilà. Et nous, par contre, on préfère prendre des risques. On est allé chercher un spawner à squelette pour avoir plein d'XP plus vite, vous voyez, ça va quand même nettement plus vite.
Voilà, donc là, bah, je vais continuer à taper. On se retrouve pour le cinquième objectif de la leçon, qui est tout simplement d'avoir une armure full enchant, avec les meilleurs enchantements, selon moi, du jeu. Donc ça va me prendre un certain temps, donc je fais une ellipse d'épisode. Et puis, une fois que j'ai tout ce qui va bien, je vous montre le résultat. Le principe, hein, je vous rappelle, est simple. Je vous remontre avec cette épée là que... Bah, d'ailleurs, celle-là aussi, je pourrais vous montrer. Avec ces deux épées, un peu de lapis. Donc là, ah, par contre, j'ai pas encore assez d'XP. Donc on va essayer de monter à 30 ensemble. Voilà, ça va arriver très vite hein, avec les squelettes. Voilà, on est à 30. Et dès que je suis à 30, paf, je vais sur ma table d'enchant. Je mets mon épée. Je mets un petit peu de lapis. Et je peux récupérer châtiment 4. Allez, on récupère. Et on a eu recul 2 avec. C'est déjà une bonne petite épée. Mais je n'ai plus 30 levels. Vous voyez, je suis redescendu à 27. Donc je retourne taper. Hop. Et ça va être comme ça tout le temps. Pareil pour l'armure. Jusqu'à ce que j'ai les enchantements au top du top pour la leçon prochaine qui me permettra de faire un grand pas en avant dans l'aventure Minecraft. Donc on se retrouve avec cette belle armure pour conclure l'épisode. A tout de suite. Et après un bon volume d'heures, ouais, beaucoup de temps avant d'atteindre l'objectif que je vais vous montrer. Donc soyez patient pour atteindre le même objectif ou voyez vos objectifs un peu plus bas. Là pour la leçon je voulais vous montrer vraiment ce qui me semble être le top du top en enchantement avant la leçon prochaine puisque c'était vraiment l'objectif principal. L'objet principal de cette leçon était de se stuffer, comme on dit, de s'équiper pour être vraiment optimal pour la suite de l'aventure et donc des leçons. Donc vous voyez que j'ai un tout petit peu optimisé, je suis à 88 levels d'expérience, je ne les ai pas eu qu'avec les squelettes, c'était pour aller un peu plus vite dans cette leçon, je me les suis donné avec une commande, ne rêvez pas, c'est très long d'atteindre 88 levels d'expérience, d'ailleurs je vais me les enlever tout de suite, slash expérience, on va se la remettre à 0, voilà, histoire d'être un petit peu réglo, hop, 7, Olchaldir, 0, level. Voilà, comme ça, on a plus ce qu'on a utilisé pour enchanter tout ce que j'ai en dessous. Donc, j'ai fait des livres, j'ai fait plein de choses. Ça a été relativement long et du coup, ben voilà le résultat. Hop. Alors, premier truc que je vous montre, c'est l'armure, parce que c'était vraiment l'objectif. Avoir une armure full opti, c'est l'un de vos objectifs, hein, je vous rappelle, pour cette leçon. Et donc l'idéal de l'idéal pour moi, c'est d'avoir un casque en diamant, protection 4, affinité aquatique, raccommodage, solidité 3 et apnée 3. Apnée 3, affinité aquatique vont vous permettre d'être très à l'aise dans l'eau. Et tout le reste, évidemment, c'est pour vous protéger. Il est préférable, à mon sens, d'avoir plusieurs protections 4, enfin un sur chaque pièce d'armure, plutôt que des protections contre les explosions, etc. Mais ça, c'est à vous de voir. Là, je vous montre ce qui me semble être mon idéal. Sur l'armure, on a protection 4 aussi, donc épine 3 qui permet que quand les mobs vous tapent, ils prennent des dégâts en retour. Toujours sur raccommodage et solidité 3, ça c'est un minimum. Sur les jambières, on va mettre protection 4, toujours raccommodage, solidité 3. Et on va mettre agilité aquatique qui va aussi optimiser nos déplacements dans l'eau. Affinité aquatique permet de miner plus facilement sous l'eau et apnée de rester plus longtemps sous l'eau. Et enfin, bottes en diamant, surtout mettre chute amortie 4, ça vous sauvera de pas mal de petites chutes en amortissant les dégâts de chute et toujours protection 4, raccommodage et solidité 3. Voilà, si vous avez ça, c'est que vous avez la full armure optimale. Elle est en diamant, l'idéal sera de la mettre en netherite, mais ça on en parle dans la prochaine leçon. Ensuite, au niveau du coup des enchantements, j'en ai profité pour optimiser à bloc tout ce qui est là. Donc j'ai mis l'épée maximum, top, donc recul 2, tranchant 5, raccommodage, solidité 3, butin 3 et affilage 3. Donc pour vous expliquer, tranchant 5 va augmenter les dégâts au maximum, raccommodage, ça vous avez compris, ça répare pendant que vous gagnez de l'XP, recul 2 va repousser vos cibles, ce qui est très pratique avec un creeper, ça évite qu'il vous explose dedans, solidité 3 évidemment pour que ça dure plus longtemps, butin 3 vous permet de le récolter encore plus comme fortune 3 en fait quand vous tapez des mobs, donc ça c'est très intéressant, et si vous voulez récupérer des têtes avec un plugin, un datapack de têtes, et ben c'est impératif aussi. Et affilage 3 vous permet de taper plusieurs plusieurs cibles en même temps. Voilà, donc vraiment le top du top. Ensuite, celle-là, on la connaît déjà. Fortune 3, efficacité 5, solidité 3, raccommodage. On a fait la même avec toucher de soie. Comme ça, j'ai mes deux pioches optimum. Une petite hache. Alors, j'ai mis toucher de soie. Fortune 3, ça, c'est à vous de voir. Toucher de soie permet de récupérer les feuillages sans les casser. Et fortune 3 vous permettra de récupérer plus de pommes, par exemple, quand vous cassez un chêne. Voilà, à vous de voir. Ensuite, la pelle en diamant. On a mis toucher de soie parce que c'est quand même bien pratique de récupérer des blocs d'herbe ou autres de temps en temps. Et surtout pas efficacité, ça va trop vite, mais bon, vous l'aurez peut-être pendant vos enchantements. L'arc, puissance 5, donc ça c'est les dégâts. Frappe 2, c'est comme recul pour l'épée.
Solidité 3 évidemment, Infinité plutôt que Raccommodage parce que je préfère et on ne peut pas mettre les deux. Infinité me permet d'avoir une seule flèche dans mon inventaire et je tire à l'infini. Et Flamme parce que ça enflamme à distance vos cibles, ce qui va leur faire des dégâts de feu pendant qu'elles se rapprochent, ce qui est quand même super intéressant. Voilà, le bouclier s'enchante aussi avec des livres, mais je ne l'ai pas fait. Là j'ai vraiment fait moi le stuff idéal que j'aime avoir dans une partie. Ça prend énormément de temps s'il faut acquérir l'expérience, etc. Mais ça, j'aurais préféré avoir un spawner à squelette optimisé niveau 2, car pour l'instant le niveau 1, c'est vraiment très laborieux de taper. Mais vous voyez qu'avec mon épée, là qui est raccommodage en plus, donc qui ne s'use pas en tapant, et avec affilage et tranche en 5, ça va aller très très vite de gagner de l'XP. Vous voyez, en quelques secondes, j'étais redescendu à 0 et je suis déjà à 11. Voilà, donc ça vous montre, voilà, 13, ça va à une vitesse folle. Et vous verrez, en niveau 2, c'est encore mieux. Donc meilleur sera votre épée, évidemment, plus vite vous ferez votre XP. Et regardez, en quelques secondes, pour terminer cet épisode, démonstration de ce que ça donne. C'est presque les squelettes qui vont manquer, tellement ça va vite. Voilà, on est déjà à 20 levels, et ça continue, parce que pendant que je parlais, ils se sont accumulés. C'est un peu le but, hein, c'est qu'ils s'accumulent. Hop, allez, on vient les cocos, on va les laisser arriver. Arriver, voilà. L'idéal avec affilage, c'est qu'il y a un groupe. Hop, on va. Ouais, il y en a qui a dû me voir, qui a dû tirer. Je dois être full inventaire, du coup. Ah, il y en a un qui m'a vu. Je me suis pris des dégâts. Mais il en a pris aussi, le coco, parce que du coup... Ah, puis j'ai un arc enchanté à récupérer. Hop, alors. On stocke pour l'instant ici. Non, non. On a fait ce qu'il fallait là-haut. Hop, voilà, soyons efficaces. Donc là, vous pouvez récupérer avec la meule de l'XP. Paf, voilà, démonstration de l'intérêt de faire toute cette leçon. Elle est un petit peu longue à mettre en place, mais une fois que c'est fait, vous voyez que c'est du top. Vous êtes tranquille pour un petit moment. Là, ça continue à cuire, on n'est pas encore arrivé à l'or. Donc voilà, ah, ça va pas tarder. Voilà, on va bientôt arriver à l'or. Là, pareil, vous mettez vos arcs récupérés dans les coffres de combustible. Le cuir, le cuir on le mettra sans doute à la poubelle. Hop, je vais le mettre en bas. Voilà, on va récupérer encore en bas. Regardez, je suis déjà à 23 levels hein, avec le désenchantement aussi au passage. On continue, pendant ce temps-là, ils se sont stackés. Et c'est reparti pour un tour. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils arrivent. On est à 24. On récupère masse, flèche, masse, arc. Masse hausse aussi, et tout ça on stocke parce que ça ne pourra nous servir. Les os par exemple, ça fait de la poudre d'os, donc il y a toujours moyen de s'en servir après. Ah tiens, j'avais pas vu, on a récupéré aussi une armure en maille. Alors ça, vous pouvez soit la garder, soit la cuire, ça fera une pépite de fer. Ça peut être sympa de la garder pour le fun parce que c'est le seul moyen de récupérer des armures en maille, c'est de taper des mobs ou de commercer. Non, j'ai dit seul moyen, c'est pas mauvaise phrase, ce n'est pas le seul moyen, vous pouvez commercer avec l'armurier qui vous en vend aussi. Voilà, donc là pareil, encore du désenchantement à faire au passage. Boum, boum. Voilà, on est presque à 25 levels. Et on va voir combien nous rapportent les fours avec tout ce qu'ils ont cuit depuis. Et ce sera la conclusion de cet épisode. Hop, voilà. Donc on met un petit peu d'arc ici, un petit peu d'arc là. On bloque les fours. Pouf! On attend donc que celui-là se cuise, que celui-ci pareil. Et donc, on regarde bien la petite barre. Je suis à 24 et juste en dessous du gigot là. Ok, donc avec tout ce qu'on a cuit là, on va récupérer. Pam! Voilà, ça devient super intéressant quand même. Voilà, et on est passé à 25 carrément. Je vous rappelle qu'on était ici. Donc on a gagné tout ça d'expérience juste avec les fours. Donc comme vous pouvez le voir, les spawners ne sont pas la seule solution pour récupérer de l'expérience et vous faire cette méga armure et ce méga stuff que vous venez de voir décrit. Donc à vous de jouer maintenant. Et puis évidemment, ce que j'attends cette fois-ci pour cette leçon, votre mission de fin de leçon, ça va être relativement simple, c'est de me faire un petit screenshot sur le salon. Pourquoi pas de votre armure full enchante, mais surtout, c'est la mission. Je voudrais que vous me fassiez un screenshot de la solution que vous avez retenue pour XP. Est-ce que ce sera un spawner optimisé ou des fours optimisés? Et libre choix à vous d'ailleurs, on est assez avancé dans les leçons maintenant pour que vous fassiez preuve d'imagination pour aller un petit peu plus loin que mon simple double four là juste à côté. Si vous utilisez la solution des fours, pourquoi pas? Montrez-nous ce que vous savez faire et comment vous savez évoluer dans Minecraft et tirer parti de ce jeu. Vous êtes en première année toujours, mais vous n'êtes plus vraiment tout à fait des débutants. Vous avez quand même franchi les 5 premières leçons. On arrive bientôt à la 10e et dernière de la première année avec l'examen qui sera
sans doute le 11e, entre guillemets. Et donc, et ben voilà, c'est reparti pour un tour, c'est à vous de jouer. Donc, au choix, vous cherchez un spawner, vous optimisez des fours, mais vous devez avoir, à la fin de cette leçon, rempli les 5 objectifs. Si vous n'avez pas le choix, vous êtes quand même obligé de trouver un spawner, même si vous ne voulez pas l'utiliser, c'est un des 5 objectifs. Je disais une bêtise. Allez, je vous dis à la leçon prochaine, pour la semaine prochaine, toujours le samedi, pas toujours à midi, le temps que je fasse le montage et le record. Mais voilà, et la leçon prochaine, attention, on rentre dans les trucs compliqué, dangereux, c'est pour ça qu'il faut avoir l'armure maximum et l'épée maximum si vous le pouvez, ainsi qu'un bon arc, ce sera pas du luxe. Allez, à la semaine prochaine. Ciao ciao.